vous voilà. J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs ces avocats. Oh, oh. Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi, youpi. Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret, le secret, le secret. Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. J'ai utilisé ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile, les avocats. Oups. Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins risqué. C'est drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Oh. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ça va, Prune? Oui, oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop! Utilise plutôt le presse-fruit. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune! Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ah! Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. Pourquoi? Il n'y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage. C'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin.
Alors il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Oh. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret! On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique trois cure-dents autour et on le met dans l'eau. Le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a trois cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète deux jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon! Oui, et dans deux jours, on en refait.